ce sont les stars du jour. Parfait. Voilà. Ce sera bien comme ça. 25 résidents de cet établissement, pour la plupart atteints de troubles cognitifs. Depuis des jours, ils peaufinent avec le personnel de santé les détails de leur défilé. Les participants ont choisi la musique, leurs vêtements et réalisé les décors de table avec soin. Ils se sont entraînés afin de vous proposer cette représentation. Depuis 2 ans, cet établissement a mis l'accent sur la prise en charge du bien-être des résidents. Le placement en institution doit être moins difficile pour eux et leurs familles. Ce défilé est une manière de mettre en avant leurs capacités, malgré les troubles dont ils peuvent souffrir. Ils sont capables d'apprécier ce moment et d'apporter un spectacle de qualité. Et c'est dans ce sens où nous, on veut les valoriser. Valoriser ce qu'ils ont encore en eux, qui est vraiment, pour nous, une valeur ajoutée pour chacun d'entre eux. Oh, c'est bien, on est tous en comité, là. Tout le monde sourit, tout le monde a l'air tranquille, c'est bien. Tout le monde se prend effectivement au jeu comme Guido. Ce mineur à la retraite trouve même des similitudes avec son ancien métier. Ça, c'est pas trop l'élément, c'est pas trop l'ambiance de la mine, ça. Ça fait rien. Le bruit, il est là. Voilà, le bruit, il est là. Ah, mais c'était pas le même bruit, au fond. C'était pas le même bruit, mais le bruit, il est là. Le bruit, c'est le bruit, hein. On peut faire ce qu'on veut. Avec ce défilé, tous les participants, pas ou peu habitués au feu de la rampe, ont pu améliorer leur confiance en eux. Ils recommenceront au mois de mai avec un travail sur les danses orientales.